Chers amis, je vous invite ce jeudi à 22h pour un concert live en streaming en collaboration avec la Nuit de la Philosophie. Je serai ici dans mon salon, entouré de mes instruments préférés. Et ce sera un moment de partage. Vous pourrez m'envoyer vos commentaires, je les lirai pendant le concert. Vous pourrez me poser même des questions philosophiques et je tenterai d'y répondre en musique. Donc, il y aura une large place à l'improvisation et aux échanges des idées. Pourquoi une résonance entre musique et philosophie? Pour moi, il y a dans la musique une énergie magique qui me dépasse et qui me montre un chemin vers un monde meilleur, intérieur et extérieur. Et ce chemin me permet de développer l'écoute de l'autre, l'écoute de soi, la présence, la connaissance de soi-même et une volonté de m'accorder avec mon entourage. Et dans mon travail de musicien, il y a une partie que je peux faire moi-même, tout seul, dans ma caverne. Mais il y a une partie du travail qui ne peut se faire que grâce à vous. Lorsque je suis entouré du public, même à distance, je sens une force incroyable qui fait que je me dépasse. Et dans ces instants de grâce, il y a comme le sentiment qu'on se donne des ailes mutuellement. Dans cette période de crise difficile pour tout le monde, c'est pour moi l'occasion de me remettre en question et de me fixer de nouveaux défis. Comme ce concert de jeudi. Je crois qu'il faut tout réinventer, notre rapport à la nature, au travail, au voyage, à la consommation ou au partage des richesses et des énergies si précieuses. Et je pense que si on se met à plusieurs pour échanger nos idées, on sera meilleur. Serez-vous là, jeudi 19 novembre à 22h ? Pour relever ce défi ensemble, ce sera sur YouTube, sur Facebook et tout est gratuit. Mais vous pouvez, si vous le désirez, soutenir des musiciens qui sont dans la précarité en faisant une donation sur ce compte. La moitié de vos dons sera versée à l'association Sonar qui a mis en place une caisse de secours et tout un programme d'accompagnement pour aider les musiciens à rester créatifs, même dans les démarches administratives. L'autre moitié sera consacrée directement à l'organisation de concerts avec des artistes que je connais et qui ont vraiment besoin d'aide. Toutes les infos sont sur mon site alexhellier.com. Un grand merci à la Nuit de la Philosophie pour l'organisation et surtout merci à vous, car je sens déjà que vous allez m'inspirer. Même à distance, on relève le défi. À jeudi.